C. Translate the word. D. Check the pronunciation. E. Copy the word. F. Draw a picture. G. Discuss a problem. H. Brainstorm solutions. Brainstorm answers. I. Work in a group. J. Help a classmate. K. Ask a question. L. Answer a question. M. Share a book. N. Dictate a sentence. O. Fill in the blank. P. Choose the correct answer. Q. Circle the answer. R. Cross out the word. S. Underline the word. T. Match the items. U. Check the correct boxes. V. Label the picture. W. Unscramble the words. X. Put the sentences in order. Y. Take out a piece of paper. Z. Put away your books. Pages 8 and 9. Studying. A. Look up the word. B. Read the definition. C. Translate the word. D. Check the pronunciation. E. Copy the word. F. Draw a picture. G. Discuss a problem. H. Brainstorm solutions. Brainstorm answers. I. Work in a group. J. Help a classmate. K. Ask a question. L. Answer a question. M. Share a book. N. Dictate a sentence. O. Fill in the blank. P. Choose the correct answer. Q. Circle the answer. R. Cross out the word. S. Underline the word. T. Match the items. U. Check the correct boxes. V. Label the picture. W. Unscramble the words. X. Put the sentences in order. Y. Take out a piece of paper. Z. Put away your books. Pages 8 and 9. Studying. A. Look up the word. B. Read the definition. C. Translate the word. D. Check the pronunciation. E. Copy the word. F. Draw a picture. G. Discuss a problem. H. Brainstorm solutions. Hi, everybody. Brainstorm answers. I. How you doing? J. You welcome, Siloma. K. Ask a question. L. Okay, class, as you have already known, when it's 8 o'clock, it's Malbranche on the air. Okay, bienvenue. Salut, Séraphin. Comment y'est, man? Okay? All right. You know, it's 8 o'clock. It's time for your English class, okay? Quand on depuis 8 heures, c'est l'heure pour cours anglais, mes amis. En nous préparer nous, je dis on va faire un bel exercice, hein. Un exercice qui a facilité ou même questionner et répondre sans aucun problème, OK? On connaît déjà, c'est teacher Malbranche on the air, OK? Qui porte cours anglais ça, la caillou, une heure de temps seulement, nous va prendre pile d'une façon pour nous amuser nous ensemble dans la langue anglaise, OK? Hello my brother. Pages 8. Okay, class. All right. Studying.
I have to give you only 1 minute to share the live. Alba, ou seulement 1 minute. Pour nous partager, nous allons faire un bel petit exercice avec parlez-moi de tel bagay, ok? Non, anglais, alright? Tell me about. Nous allons faire un petit exercice avec tell me about, ok? Nous allons faire un bel petit exercice avec tell me about, qui c'est parlez-moi de. Ok, nous allons bien détailler, nous allons faire un exercice, alright? Côté que moi montrer où exercice, et puis nous allons apprendre répondre très rapidement, ok? Mais nous allons utiliser adjectif ça pour nous faire question ça qui c'est tell me about, ok? For example, tell me about your car, ouais? Tell me about your car. Dis, parlez-moi de machine, ouais? Hein? Is it new? Est-ce qu'elle est neuve? Ok? C'est un exercice ça nous va le faire. Ouais? Tell me about your girlfriend. Ouais, parlez-moi de ménage. Is she beautiful? Est-ce qu'elle est belle? Ok? Nous allons voir comment on va être capable de répondre à la question ça yo, à partir de adjectif ça qui là. Ok? Qui c'est? Tall, young, heavy, new, married, handsome, beautiful, large, big, noisy, expensive, easy, rich, okay, short, old, fair, thin, old, single, ugly, ugly, pretty, small, little, quiet, loud, cheap, difficult, poor, ok? Nous allons utiliser adjectif pour nous faire un exercice là, hein? Exercice à l'heure au livre. Nous allons montrer nous le talent pour nous faire exercice ensemble. Mais en attendant, on nous partager live là, mes amis. Nous allons faire un bel exercice qui a rapport avec parlez-moi de tel bagaille. Soit parlez-moi de où, parlez-moi de machine, parlez-moi de caillou, ok? Parlez-moi de job, etc. Ok? Tell me about, ok? Tell me about your, ouais? Tell me about your car. Parlez-moi de machine, ouais? Is it new? On a une machine là, et puis on dit, tell me about your car. Je parle-moi de machine, ouais? Is it new? Est-ce qu'elle est neuf, ok? Quand on va voir comment on va répondre, ok? S'il n'est pas neuf, vous dites, non, il n'est pas neuf. C'est une ancienne machine, est-ce que là, hein? Tell me about your girlfriend. Is she beautiful? Nous allons voir comment pour nous répondre à question ça à partir de quelques apposites qui c'est quelques contraires, hein? Très rapide, en nous partager. Bon, une minute pour nous partager, moi-même aussi va partager. Une minute, ok? W. Unscramble the words. Let's share. Put the sentences in order. Y. Take out a piece of paper. Z. Put away your books. Pages 8 and 9. Studying. A. Look up the word. B. Read the definition. C. Share, please. Translate the word. D. Check the pronunciation. E. Copy the word. F. Draw a picture. G. Discuss a problem. H. Brainstorm solutions. Brainstorm answers. Let's check, Léas. Nous allons faire un bel exercice ensemble, hein? J. Help a classmate. K. Ask a question. L. Answer a question. M. Share. N. Dictate a sentence. O. Fill in the blank. P. Choose the correct answer. On a les glaces. On a un bel exercice, hein? Circle the answer. R. Cross out the word. S. Underline the word. T. Match the items. U. Check the correct boxes. V. Label the picture. W. Okay. Unscramble the words. X. Put the sentences in order. Okay, Gleas.
Let's go. On allez. Et j'aime de dire glace. Nous allons faire un petit exercice avec qui côté que nous parlons pour nous choisir et contraire de chaque adjectif ça. Ok? Nous parlons un exemple là très rapide avant même moi entrer dans l'exercice là parce que nous allons faire un exercice dans un livre en couleur. Ok? Côté que nous allons répondre question yo posé yo en anglais sans aucun problème, ok? Nous avons pour utiliser adjectif et apposite, qui est contraire, ok? Tall, contraire, c'est short, et cela en anglais. L'emgé young, contraire, c'est old, alright? L'emgé heavy ou bien fair, contraire, c'est thin. On garde un exemple, là, on dit, tell me about your car. Ouais? Tell me about your car. Il dit là, parlez de machine, ok? Tell me about your car. Parlez de machine, est-ce qu'elle est neuf? Ouais? Tell me about your car. Is it new? Ouais? Parlez de machine, est-ce qu'elle est neuf? Tell me about your car. Is it new? Est-ce qu'elle est neuf? Ok? Kouna, qui sont valgé pour répondre, Léas? S'il pas neuf, ou après répondre pour ça, ou ap dit no. Ouais? Ou dit no. It is not. Ouais. Dis non, it is not. Dis non, li pa neuf. Ouais. No, it is not. Et puis me dit it is old. Ouais. Répond comme ça, hein. C'est comme ça nous allons faire cet exercice en classe, ouais. Tell me about your car. Is it new? Parlez-moi de machine, est-ce qu'elle neuf? Dis non, it is not. Non, li pa neuf. Quand on me dit s'il pas neuf, qui ça lire là? S'il pas neuf, c'est que ils sont anciens. Et bien me dit it is old, ouais. No, it is. No, it is not. It is old. Est-ce cela hein? Me dit non, il pas neuf, mais lui c'est une ancienne machine. Est-ce cela hein? Dans cinq classes, même genre avec là. Tell me about your girlfriend, ouais. Tell me about your girlfriend. Là me dit parlez de ménage, ouais. Tell me about your girlfriend. Is she beautiful? Dis, est-ce qu'elle belle? Dis, parle-moi de ménage, ouais, est-ce qu'elle belle? Tell me about your girlfriend. Is she beautiful? Est-ce qu'elle belle? Hein, sur la glace. Tell me about your girlfriend. Parle-moi de ménage, ouais. Is she beautiful? Est-ce qu'elle est belle? Hein, sur la glace. Quand la glace, si ça l'est, elle n'est pas belle, on va répondre négatif, on dit, no, she is not. Hein, sur la, hein? No, she is not. Ou dit non, li pas belle, parce que m'a besoin vous utiliser contraire, ok? Contraire. Quand a plus qu'elle a été dit beautiful, plus que m'a dit non, she is not, m'a dit non, li pas belle, et bien m'a dit li laide, ok? Et bien m'a dit she is ugly. That's all right. Tell me about your girlfriend. Is she beautiful? Parlez de ménageoire. Est-ce qu'elle est belle? No, she is not. Non, elle n'est pas belle. Eh bien, s'il pas belle, qui s'allie? Lui, l'aide. Dit, she is ugly. Est-ce là, hein? Est-ce que vous comment exercice ça, hein, Cléas? C'est lui, nous allons pour nous faire 10 numéros là, ok? Nous allons faire 10 numéros, ok? Mes amis, chers, live là, chers, ok? Marilyn, ok? Bienvenue. Oh, Crazen, how are you? Une cousine m'a cap sur quoi en direct, hein? Ok? Let's go, class. Tell me about your car. Is it new? Parle-moi de machine, est-ce qu'elle neuf? Dis non, elle pas neuf. Si elle pas neuf, ma baille contraire, là, ok? Contraire de new, qui c'est old. Et bien, me dit, it is old. Est-ce que là, class? Let's share the life, class. Let's share. Ok? Ok, Léas, nous disons que l'adjectif ça va utiliser et puis on va utiliser le contraire pour nous répondre. Alright, Simon et Gago Vibe, you welcome my friend. Alright, let's go, Léas. Nous disons que ça va nous utiliser parce que nous allons montrer un exercice pour aider moi à faire ensemble. Ok, on allait, mes amis, on allait. Tell me about, ok, on va utiliser le contraire ça. Alright, là, je suis tall. Contre lui, c'est short. Ouais, par exemple, si me dit Cléas, tell me about your father. Is he tall? Ok. Me dit, est-ce que lui est haut? Ouais. Tell me about your father. Is he tall? Ouais, par exemple. Un exemple, Cléas, encore.
tell me about your father. Example. Did tell me about your father. Parlez-moi de papa. Et puis me dit, est-ce que Leo, is he tall? What? Is he tall? Tell me about your father. Is he tall? Est-ce que vous? Dis parlez-moi de papa. Est-ce que vous? Oui, classe. Est-ce que vous? Vous n'avez qu'à répondre, vous répondez négatif pour qu'il utilise le contraire de tout. De tout. Oui, classe. Qui ça me répond là? Je dis non. He isn't. L'en dit isn't là, c'est is not, ok? Je dis non, he isn't. Je dis non, il n'est pas où. Eh bien, s'il n'est pas où, qui ça lui est là? S'il n'est pas où, eh bien, l'écoute. Eh bien, je dis, he is short. Est-ce que là, classe? C'est comme ça nous allons faire exercice là, hein? C'est comme ça nous allons faire exercice là ensemble. Nous allons faire exercice ensemble. Pendant ce temps, partagez, parce que nous allons commencer mon tour exercice là, Glass. Ok. Ok, nous parlons pour nous faire exercice au consacré glace. Et cela, hein? Ouais, j'en sais là, par exemple. Ouais. Tell me about your neighbors. Tell me about your neighbors. Là, il dit, parlez-moi de voisins, ou you. Ouais. Et puis, on mettait noisy, qui c'est bruit. Ok. Yo était noisy. Ça veut dire, là, on va demander, est-ce que yo scandale? Est-ce que c'est moun qui toujours a fait bruit? Ouais. Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisins, ou you. Ok. Plus que là, on parle de vrasé, yo, qui ça me bral dit là? M'a dit, are they noisy? Est-ce que là, hein? Are they noisy? M'bral dit, non, yo pas scandalé, ok? Plus que yo pas scandalé, m'bral utiliser contraire de noisy. Est-ce que là, hein, Gléas? M'bral utiliser contraire de noisy. L'envoie, je m'en sous tableau, m'a regardé côté gué noisy, ya, ok? Gardez bien pour vous, nan numéro. 10 là, ok? Noisy loud, contrairement c'est quiet, ok? Et bien, quand on vient là, on dit, are they noisy? Yo dit no, ok? On dit no, they are not, ok? Si yo pas noisy, c'est que yo se moun qui tranquille. Et bien, on dit, they are quiet, ok? They are quiet, alright? Est-ce que nous recommandons qu'on fait exercice en classe? Préparez-vous pour faire exercice ça avec moi, hein? Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisin ou you. Ok? Yo mette neighbor, yo mette noisy, kou nan bral mande, est-ce que yo se des moun scandaleux? Ouais? Plus que se neighbors li au pluriel, nous bral di, are they noisy? Ok? Yo di m'ap commence la avec no. M'ap di, non yo pas noisy. Yo pa moun ki scandale. Si yo pa moun ki scandale, m'a utilise contraire de noisy, ki se quiet. Et puis m'a dit they are quiet. Alright? Est-ce que nous en anglais? Est-ce que nous en? Parce que c'est exercice ça pour aller de me faire. C'est exercice ça que nous pour faire là, ok? Alright? Tell me about your car. Ouais, mais là. Tell me about your car. Is it new? Tell me about your car. Is it new? No, it is not. Non, li pa nev. It's old. Li son ansye machine, est-ce que la anglais? Tell me about your girlfriend. Parlez-moi de tes amis ou non. Is she beautiful? Est-ce qu'elle belle? N'ap di non, pou n'ka utilise contraire, ouais. No, she is not. Non, li pa belle. Kou na si li pa belle, ou di me sa liye, ouais. She is ugly, alright? It is very easy. Tell me about your father. Parlez-moi de papa. Is he tall? Est-ce que lui haut? No, he isn't. Non, il pas haut. Eh bien, s'il pas haut, c'est que lui coûte. Eh bien, me dit he is short. OK? Let's go glass. Let's go mes amis. Et pas car même oui fait 20 cher. Semble moi le voyer quoi deux fois par semaine, hein. Semble moi le voyer deux fois par semaine si mon yo pas intéressé. Comme on va le voir deux fois par semaine. Deux fois ou trois fois, hein? Ok? C'est si on est souvent, on n'a pas intéressé. Pas vrai, Glass? Hein? On va le voir quoi deux fois par semaine. Même 20 moun monte, mes amis. Hein? Chaque moun pas kalage quoi, non, même ou 5 groupes. Hein?
Même 20 chers, nous pas jouer même 15 ans. Un glace. Hein? Eh bien, ça m'a obligé de changer horaire. Je vais me garder dès demain. Je vais obligé de changer horaire peut-être deux fois par semaine si nous ne pas intéressé. Pas ça, glace. Hein? It's gonna be better. La mieux, hein? On a les glaces, nous allons faire exercice là. Tell me about your car, ok? Nous répondons négativement pour nous capables d'utiliser le contraire, ouais? Pas même des machines, est-ce qu'elle est neuve, ok? Non, elle n'est pas neuve. C'est une ancienne machine, ouais? It is old, alright? Tell me about your girlfriend. Parlez-moi de tes amis, là. Is she beautiful? Est-ce qu'elle est belle? No, she isn't. Non, elle n'est pas belle. Si elle n'est pas belle, je vais utiliser le contraire là, qui c'est? She is ugly, l'île, ok? On allait, nous va aller faire cet exercice ça, ok? Je me dis, on va changer l'horaire là, ok? Parce que, mon yon se sou plus ça qui a rapport avec bruit, yon campé, nous va l'obliger pas qu'à faire chaque jour, hein? Ok? Nous va changer l'horaire là, ok? Glass, nous va le faire au moins deux ou trois fois pendant la semaine là, laisse ça, mon ap connaissé deux fois l'île, l'ap vini pour suivre, alright? Depuis où elle chaque jour, yo pas intéressé. Ok, let's go class. Vous parlez de me faire exercice là, hein? Vous parlez de me faire exercice à class, ouais. Allez. Les nous gagnons la class. Nous gagnons tau qui c'est haut. Sorry qui c'est court, contraire. Ok, boss ça c'est contraire, yo, ouais. Young qui c'est jeune, ouais. Old qui c'est vieillard. Heavy ou bien fat qui c'est gros. Ou bien, ok, ou bien lou, les fois. Contraire qui c'est thin, dans le sens légère ou bien mince, alright. New, qui c'est neuf, contraire c'est old, qui c'est ancien, ouais. Married, marié, contraire c'est single, qui c'est célibat, ok. Handsome, qui c'est beau, pour garçon, contraire c'est ugly, ok. Beautiful, qui c'est beautiful ou bien pretty, contraire qui c'est ugly. Ok, là c'est belle, ça c'est laide, ok. Large, large, contraire c'est small, qui c'est petit. Big, qui c'est gros, grand, contraire c'est little, c'est petit. Noisy, qui c'est scandaleux, ok. Loud, c'est haute voix, haute voix. Contraire là c'est quiet, ok, qui c'est calme, tranquille, alright. Expensive, expensive. Contraire, c'est cheap. Expensive, qui c'est cher. Le acheter un bagage qui coûte un pile. Cher, cheap, le acheter le bon marché. Ok? Easy, qui c'est facile. Contraire, c'est difficult. Ok? Qui c'est difficile. Rich, qui c'est le monde qui a gagné un pile l'argent. Le bagage l'argent, c'est poor, qui c'est pauvre. Ok? Tout bas, c'est adjectif le plus contraire. C'est eux-mêmes nous pral utiliser dans exercice ça, OK? On allait, je me dis à mes amis, à partir de demain, m'a planifier un autre horaire pour ce maintenant parce que si moun yo pas intéressé, hein, yo pas intéressé avec ça qui a rapport à éducation, nous pas bailler chaque jour encore parce que 5 heures dans 3 mes amis, c'est si moun yo t'est intéressé, nous pral changer horaire là ou deux fois par semaine ou bien peut-être trois fois, oh, ok? On regarde dans l'exemple de la classe, ouais. Are you married? Ouais. Are you married? Ouais. Est-ce que vous marié? No, I am not. Non, moi pas marié, ok? Sou pas marié ou tout dit, mais ça ou yé, ok? No, I am not. Non, moi pas marié. Et bien, si pas marié, moi c'est single. I am single. Est-ce que vous avez exercice ça? Est-ce que vous avez exemple glass? Are you married? No, I am not. Ouais. D'abord, je réponds dit no, I am not. Je vais short answer, réponse court. No, I am not. Non, je ne suis pas marié. I am single. Je suis célibat. Est-ce que vous avez glass? Alright. On regarde le deuxième exemple là. Tell me about your new car. Ouais, tell me about your new car. Is it large? Dis pas de nouvelle voiture là. Est-ce que large? Ou est-ce côté là? On regarde ce côté là. Ok, ou est là? Qui ça dit la classe? No, it isn't. Non, pas large. It's small. Ouais. Elle dit le petit. Est-ce que l'exemple? Alright. Est-ce que la classe? Un autre exemple encore?
Tell me about your new neighbors. Parlez-moi de nouveau voisin yo. Ouais. How they remplacer voisin yo, ouais. How they quiet? Est-ce que c'est des monde qui tranquille, qui calme, OK? Qui pas scandaleux, OK? Qui ça dit sous côté là? No they aren't. Il dit non, yo pas monde qui calme. OK? Si yo pas monde qui calme, eh bien yo c'est des monde qui scandaleux, OK? They are noisy. Est-ce que la règle est? Kou nan pral wè sou te kompran. Nou pral essaye edem ou menm ki la, an edem fè exercice la, hein. Se nan commentaire, wap edem fè exercice la, OK? Yes, Andy, yes. Non, moun yo plis reme, bagay ki gen rapò a zin, ou konprann. De pou pa vin fè zin sou internet la, ou pa menm bezwen fè sa wap fè a, paske moun pa enterese avèl vre, hein? Faut créer un bagage qui gagne rapport avec zin quand même pour lui pour mon intéressé hein nous pour changer horaire en jambe là n'a voyer l'on deux fois par semaine OK pour le capable moins plus intéressant hein on aller dans numéro 1 en clair sous comprendre tell me about your computer tell me about your computer ouais là il dit parler de computer là ouais yo mettez new point d'interrogation bon new. Comment m'a fait question à la classe? On aide me faire hein. Comment m'a fait question là? Yo mettez 9 et puis yo mettez point d'interrogation. OK? Comment m'a fait question en classe? Let's go. On aide, comment m'a fait question? Tell me about your computer. Parlez-moi de computer là. Yo mette new point d'interrogation. Comment devant new? Ça cap devant new. On allé. Let's go. Let's go. Qui est-ce qu'a fait? Qui est-ce qu'a fait? Is it new? Très bien vibe. Très bien. Timo et Gago vibe. Is it new? Exact. C'est pas dit. Ou pas besoin d'écrire question encore. Ouais. Très bien. Is it new? Ouais. Parce que là, on parle de computer qui c'est une chose. Moi, placer le pas it. On dit is it new? OK. Kote ki gen noa, comment m'ap répond? Kote ki gen noa, comment m'ap répond? Wè ou bay deux bas, yon kote m'ap répond avec no, OK? Short answer, réponse ki coûte. Et puis l'autre là m'ap mette contraire de new. On a les glaces, comment la bien? On a les comment la bien? On a les c'est où pour faire les, on a les hein? No, it isn't. Non, on pas besoin de mettre new encore, OK? On fait Jean et nous te fait l'argent, ouais, par exemple en l'air, ouais. No, it isn't. No. Ouais, par exemple, are you married? No, I am not. Ouais. I am single. Eh bien là, c'est même bagaille là, hein. Tell me about your computer. Parlez-moi de computer. Is it new? No, it isn't. On pas besoin d'utiliser new encore, OK? No, it isn't. Et puis là, on va l'utiliser contraire là, dans l'autre bas ça. M'a utilisé contraire là. On allez. No it isn't. Très bien. No it isn't. Et l'autre ballon, ça cap l'autre ballon. On allez, l'autre ballon, c'est là qui a bien contraire de new. No it isn't. Contraire de new. Exact. It is old. Exactly. All right. OK. Est-ce nous hein? C'est qu'on soit utilisé. Premièrement, on dit no, it isn't. OK? No, it isn't. Tell me about your computer. Tell me about your computer. Is it new? No, it isn't. Non, il n'est pas neuf. OK? It's old. It's old. Très bien dit. All right? OK? On allait dans le deuxième numéro là. Qui dit tell me about your new boss. OK? Tell me about your new boss. Est-ce qu'on va voir boss la chita? Ouais, boss la chita, hein? Tell me about your new boss. Tell me about your new boss. On allait?
Tell me about your new boss. Tell me about your new boss. On a laissé ou même qu'a fait, on fait rapide, on fait rapide, hein? Tell me about your new boss. Dans numéro 2, on a laissé. Tell me about your new boss. Boss là, c'est patron, on peut patron, chita sous bureau, on a laissé. Tell me about your new boss. Parlez-moi de nouveau patron là. Ok? On a laissé comment question a fait la classe. Comment question a fait? Easy. Ou bien parti, Gago. Easy. Ouais, après Yang Lang est pris d'interrogation. Easy Yang, est-ce que lui gêne? Ouais. Easy Yang, ok. Ou mettez Easy, on va mettre Yang Lang. Parce que ouais, Yang Lang là, après Yang Lang, on mettez pris d'interrogation. Est-ce que là, hein? Easy Yang, est-ce que lui gêne? Ouais. Tell me about your new boss. Parle-moi de nouveau boss ou a. Est-ce que le jeune? Is he young? Est-ce que le jeune? Ok? Kounan va répondre. No. Comment la vie? No. Il pas qu'à être. Ou. Gago bien ou bien répondre non easy. Ah, il s'est le globe te manqué. Il pas qu'à être. Parce que boss là c'est un monde. Ou pas un monde non? Ou pas son garçon remette là. Plus que son garçon. Et puis on dit is he. He qui a remplacé garçon là, boss là, est-ce là, hein? Tell me about your new boss. Parlez-moi de nouveau boss ou ouais. Is he young? Is he young? Comment m'a répondu là? En bas, non, Noah. Comment m'a répondu? Côté gain, no. En allez, côté qui gain, no. Non, nous pas répondre avec no, he is old. Parce que c'est modèle ça n'a pas suivre. Est-ce que là, hein? Ouais là, on regarde là. Tell me about your new car. Ouais. Tell me about your new car. Parlez-moi de nouvelle voiture là. Is it large? Est-ce que large? D'un côté après comment répondre premièrement, ou répondre avec une réponse qui coûte. No, it isn't. Ouais. No, it isn't. Ouais, fin dit no it isn't, mon campé là. Et puis qu'on a mal utilisé contre là. It's small. Est-ce là hein? Et bien là, là fin dit non, m'a dit no, he isn't. He isn't, OK? On a mal utilisé contraire de young dans l'autre bar, m'a utilisé contraire de young. Comment la bien dans l'autre bar? Tell me about your new boss. Is he young? Est-ce qu'elle est jeune? Non, elle n'est pas jeune. Livia, on a les glaces. Comment m'a répondu là, hein? Let's go, glaces. Let's go. He is old. Yes, exactly. All right? C'est comme ça pour répondre, glaces. Ouais. Tell me about your... Tell me about your new boss. Hein? Il dit, parle-moi de nouveau patron là. Est-ce qu'elle est jeune? Is he young? Et puis il dit, non, il n'est pas jeune. Ouais? Non, il n'est pas jeune. Non, he isn't. Ouais? Et puis il dit, et puis utilise le contraire de jeune, non, qui c'est? Old. Et puis il dit, he is old. Est-ce que la classe? He is old. It is very easy, class. C'est facile, hein? Il est facile pour faire, hein? Ok? Est-ce que là, hein? Ok, let's continue. On continue. Mal bon l'autre exercice. Et on allait, ma prendre l'autre exercice. Ok. On allait, Cléas, pas prendre temps pour faire, parce que c'est facile, hein. Ouais. De vous suivre, petite explication de débat, ouais. Exercice sont très faciles, hein. Tell me about your neighbors. Là, il dit, parlez-moi de voisins ou you. Ok. Parlez-moi de voisins ou you. Est-ce que là, hein? Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisins ou you. OK? Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisins ou you. All right? On a les classes. Qu'on a dit noisy. Gen point d'interrogation. On a les. C'est que vous demandez, est-ce que voisins yo scandaleux? On a les. Ouais? Tell me about your neighbors. On a les. Fait question pour moi. On a
On a les questions en classe, questions. Pas prendre trop de temps. Let's go. Let's go, Glass. Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisins, yo. On a les classes. Est-ce que yo noisy? On a les mes amis, exercice facile, nous prenons trop de temps, hein. Libaka is, gago vibe. Parce que yo dit neighbors. Et puis avec they, m'baka utilise is. Les ma conjugué verbe là me dit I am, you are, he is, she is. Ouais. Les mouvé dans they, c'est they are. Alright? C'est they are. Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisin ou yo. Ouais. Est-ce que voisin ou yo scandaleux? Are they, exactly. Ok? Gago corrigé rapide. Are they noisy? Exact. Parce que devant they, c'est are. Are they noisy? Ouais. Are they noisy? Est-ce que vous scandalez? Ouais. No. Hein? No. Non, place no. Bon côté no. Ça m'a dit glace. On allez. Bon côté no. Ça m'a mette. Let's go, glace. Bon côté no. Ça m'a mette. Let's go. Are they noisy? Exact. Uh-huh. Écoutez, comment on va répondre bon côté Noah? Are they noisy? Comment on va répondre? Let's go, Glass. On allez. Comment m'a répondre? Are they noisy? Comment m'a répondre la glace? Mes amis, qu'est-ce que nous au moins nous t'a répondre question ça, bien facile hein. Est-ce là hein, sous comprendre j'aime dit ça là. No they are it. Exactly. Jean-Chris. Il va pas tellement voir non hein. OK? All right. Are they noisy? Est-ce que scandaleux? No they are it. Ok? Non, they aren't. Non, yo pas scandalé. Kouna, ça nous va faire glace. Nous va utiliser contraire de noisy. Ok? Contraire de noisy. Ok? L'em fin dit non, they aren't. Sous premier bar. Sous deuxième bar, nous va utiliser contraire. Là, nous gardons dans le numéro 10 là. Ok? We're noisy. Et puis, we're loud. Ok? We're noisy. Quand on est qui égal là, c'est contraire là. Quiet. C'est le contraire de noisy. OK, c'est quiet. OK, plus qu'on dit no they are it, qu'on a nous va l'utiliser contraire là. Comment on a bien? Exactly on dit they are quiet. All right, they are quiet. OK, qu'on a fait très rapide. Tell me about your neighbors. Dis parle-moi de voisins ou yo. Are they noisy? Est-ce que yo scandaleux? No, they are it. Non, yo pas scandale. Et puis, m'baye au contraire, yo. They are quiet. Ouais, yo se moun ki tranquille, calm. Et so, la anglais, it is very easy. Ouais. Tell me about your neighbors. Parlez-moi de voisins ou yo. Are they noisy? Est-ce que yo scandale? No, they are it. Non, yo pas scandale. They are quiet. Yo se moun ki calm. Hi, everybody. Is okay for you, teacher? Oh, not really, my friend. Not really, because I really interested about teaching English through Facebook, but the people are not very interested about. Okay? For this reason, I am going to change the schedule. Okay? If the people are not interested, what do I have to do is try to change the schedule, okay? I am going to teach through Facebook twice a week, okay?
puisque moun yo pas intéressé, c'est avec ça qui a rapport avec Zep aller en pile yo intéressé. M'bra le changer horaire là, m'pa pral faire chaque jour encore. OK, m'bra le faire au moins deux fois par semaine avec moun qui intéressé yo, OK? Parce que moun yo pas intéressé avec connaissance sur internet là. Voilà. Du lundi au vendredi 8h 9h nous pral changer le pour nous comment ka faire peut-être deux fois ou trois fois par semaine. Si moun yo t'est intéressé, je ka faire chaque jour, pas de problème, OK? Mais faut te ouais moun yo intéressé, OK? Moun a vinn garder quoi, y a partager. Comment ça qui bon, m'pa besoin di moun pa besoin de partager, dès vous arriver ou partager sans moun pa di ou, vous comprenez? Mon nom bail qui rapport à bruit par l'empile depuis mon nom monter le partage. C'est cela. L'organe on bail qui rapport à zin, on va prendre l'année pour 3000 partages. Ouais, sans mon n'a pas dit partager parce que quand on est depuis 16 ans, bah tout mon a partagé. C'est cela hein. Hein, si mon pas intéressé, on obligé changer horaire. Ma ba au moins deux fois par semaine, OK? Pour nous avancer avec mon qui intéressé. Yeah. Oui, Tyson, sou e moun yo pa interesse men. Eso la, hein? Ok, on a le gars numéro 4 na classe. Tell me about the Plaza Restaurant. Tell me about the Plaza Restaurant. Hein? Qui ça le dit là? Il dit, parlez-moi de restaurant qui est le Plaza, ok? Tell me about the Plaza Restaurant. Parlez-moi de restaurant qui est le Plaza. Tell me about the Plaza Restaurant, ok? Est-ce qu'elle vend cher? Ou est cheap? OK, c'est qu'on va poser question là avec est-ce que I'm very I was very OK. OK, on allait is it. Très bien dit, mais faut faire inversion en dit, OK? Mettez is là avant, OK? Is it cheap? Ouais, est-ce qu'elle vend bon marché? Tell me about the Plaza restaurant. Dis parle-moi d'un restaurant qui est le Plaza. Est-ce qu'elle vend bon marché? Est-ce que manger bon marché là-dedans? Is it cheap? Est-ce qu'elle vend bon marché? Is it cheap? Hein? Très bien dit. Is it cheap? On a les glaces. Et non, non. Ça m'a dit bon, non, voilà. Hmm? Est-ce qu'elle vend bon marché? On a les, let's go. Est-ce qu'elle vend bon marché? Is it cheap? On a les, bon côté, non, ça m'a dit. Non, non, my friend. C'est exercice ça cap guider mon point OK now is manquer pronom manquer pronom on dit manquer pronom pronom personnel là Plaza restaurant restaurant c'est une chose pas vrai hein eh bien m'a remplacer par qui ça now code pro ou pas utiliser pronom personnel là on dit now it is it. très bien Jean-Christ hein. Très bien, Jeff Robert. Non, Jeff Robert, on va utiliser pronom. Il faut utiliser pronom personnel qui a remplacé restaurant. On va remplacer restaurant par it. OK? Jean-Christ fait là. No, it isn't. Est-ce que là, is it cheap? Est-ce qu'elle vend bon marché? Il dit, no, it isn't. Non, il pas vend bon marché. Kouna, s'il pas vend bon marché, là, dans l'autre bas, ça, m'a dit, il vend cher. Comment m'a dit ça hein non bas sous côté hein? Non it is it comme ça exactement on dit faut mettre pronom parce que c'est pronom qui remplace restaurant ouais. Tell me about the Plaza restaurant. Tell me about the Plaza restaurant. Parlez-moi de restaurant Plaza, OK? Est-ce qu'elle vend bon marché? Is it cheap? Est-ce là hein? Eh bien, on dit non, plus que mettez non là m'a dit non it is it. No, it is not. Très bien, Tyson. No, it is not. OK? Kounya m'bra l'utiliser contraire cheap. OK? Contraire de bon marché. C'est cher. All right? OK? Kounya pou m'jwenn jeune contraire en anglais. What do I have to do? OK? Look at number 11. Est-ce que numéro 11 là? OK? Number 11. Expensive equal cheap. Ouais? Cheap, kuna sama, exactly, vous voir, ok? Exactly, yes, no, it is expensive, exact, contraire, ok? Look at the board, class. On regarde le tableau, hein? Pour le tableau, mes tableaux, class. Tall, si on parle de l'adjectif tall, contraire, c'est short, écoute,
Si on parle de young, contre lui, c'est old. Et cela, hein? Vieillard. Si on parle de heavy ou bien fair, contre lui, c'est thin. Si on parle de new, qui c'est neuf, contre lui, c'est old, qui c'est ancien. Si on parle de married, qui c'est marié, contre lui, c'est single, qui c'est célibataire. Si on parle de handsome, qui c'est beau, ok? Par exemple, beau garçon, contre lui, c'est ugly. Si on parle de beautiful, et sur l'anglais, beautiful qui c'est belle, ou bien pretty, qui c'est belle aussi, jolie, contre lui, c'est ugly. Et sur l'anglais, si on parle de large, contre lui, c'est small. Si on parle de big, contre lui, c'est little. Si on parle de noisy, contre lui, noisy ou bien loud, qui c'est noisy, qui c'est scandaleux, là, on a fait bruit. Loud, c'est à haute voix. Les gens parlent fort, ok? Contrairement, c'est quiet, qui c'est tranquille, calme. Si on parle de expensive, qui c'est cher, contrairement, c'est cheap, qui c'est bon marché. Si on parle de easy, qui c'est facile, contrairement, c'est difficile. Est-ce que c'est clair? Si on parle de rich, qui c'est cher, contrairement, c'est poor, qui c'est pauvre. Est-ce que c'est même genre, si on parle de poor, contre lui c'est rich. Si on parle de difficult, contre lui c'est easy. Si on parle de cheap, contre lui c'est expensive. Est-ce que l'anglais? It is very easy. De bouffin dit no, it isn't. Ok? Ou à l'utiliser contraire là. Ok, glass? It's very, very easy. Hein? M'gade moi en bicyclette là. M'dis ou parle de bicyclette ou hein? Tell me about your bike. Ok? Est-ce que hein? Hein? Est-ce que comment pour nous répondre avec no, 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 no? Tell me about your car. Il dit, parlez de machine. Is it new? Est-ce qu'elle est neuve? No, it isn't. Non, elle n'est pas neuve. Quand elle n'est pas neuve, je vais utiliser le contraire de new. It is old. Est-ce que l'anglais? Tell me about your girlfriend. Parlez de petite amie ou non? Hein? Tell me about your girlfriend. Parlez de petits amis ou non? Is she beautiful? Est-ce qu'elle est belle? C'est à non, ma réponse. Je dis no, she is not. Que remplace she? Girlfriend. No, she is not. Je dis non, elle n'est pas belle. Si elle n'est pas belle, vous n'avez pas utilisé contraire, contraire de belle. Est-ce que l'anglais, je vais utiliser contraire de belle? Qui c'est ugly? Je dis no, she is not. She is ugly. Est-ce que hein? Tell me about your father. Ouais, parle de papa. Is he tall? Est-ce qu'il est haut? Hein? No, he is. Non, il n'est pas haut. Si il n'est pas haut, m'a dit, eh bien, mes salières m'utilisent le contraire. Là, ouais. He is short. It is very easy. Est-ce que comment exercice à faire, Douglas? Est-ce que comment le fait, hein? Ok. Mais si nous pas prendre temps pour nous, hein, parce que un bon exemple. Hein? I want to be friend someone here for talking about for talking about what? Hein? OK, good. On a les glaces. On garde l'autre numéro, hein. On garde on quitte plaza. On a le numéro 5 la glace. Number 5, OK? Where j'aime saute bon exemple yo. Tell me about your brother, OK? Tell me about your brother. Hein? Là, elle dit qu'il s'est parlé de frère. Tell me about your brother. Parlez de frère. Et puis, on mettait tall. Comment est-ce que tu as fait là devant la glace? Comment on a fait question, hein? Let's go, glace. OK? J'aime te dire, mes amis, si vous n'êtes pas intéressé à quoi, ma pour lui, j'ai fait deux fois dans la semaine non seulement. OK? Parce qu'on bel cours anglais comme ça pas qu'a fait, les cours a fait pour c'est moi qui a dit partager mes amis. OK? Ou bien pour c'est moi qui a dit partager hein? On bel cours anglais comme ça, entrez sur internet là pour voir combien qu'on doit payer pour apprendre anglais mes amis. Vous comprenez? Ou j'ai un petit cours anglais free, qu'a fait exercice, si exercice gens pour faire question, vous comprenez? Gens pour mandon mon bagage et OK? All right, OK, gagné Gracia Olivier qui dit he is tall. Now. N'a fait inversion, je vais te faire là hein. OK. Tell me about your brother. Comment on fait question là? M'a dit est-ce que lui haut? Ouais.
Est-ce que li wo? He now, inversion du sujet mes amis. Let's faire question virale. Très bien, Jean-Christ. Is he tall? Is he tall? Est-ce que li wo? Okay? Tell me about your brother. Is he tall? Est-ce que li wo? Okay? Est-ce que li wo? Est-ce que li wo? Okay? No, no. Comment on va répondre kounya? Thank you. Comment on va répondre? Is he tall? No, comment on va répondre kounya? No. Comment on va répondre Léas? No. On allez, tell me about your brother. Is he tall? Est-ce qu'il est haut? No. Comment on va répondre bon Noah? No, he isn't. Très bien, Andy. Okay. No, he isn't. All right. Très bien, ouais. Did you tell me about your, tell me about your brother? Parlez-moi de frère ou là. Est-ce qu'il est haut? Is he tall? Et bien, il me dit, no, he isn't. Non, il n'est pas haut. Hein? S'il n'est pas haut, comment il est? N'a pas utilisé le contraire, là. Comment il est bien? Très bien, petit micro. He is short. Très bien. He is short. C'est ça, hein? Ouais. On m'a dit, là, il y a un téléphone, non, par exemple. C'est ça, hein? Ou un téléphone, non, et puis il y a un téléphone. Par exemple, il dit, tell me about your phone. Dis parle de téléphone ou un. Est-ce que le cher? Tell me about your phone. Is it cheap? C'est ça là. Is it expensive? Est-ce que le cher? Ouais. C'est ça le mot qu'on fait là, hein? Ou on mouna un bagay ou dit parle de tel bagay. Est-ce que le cher? C'est ça là, hein? Ouais, mouna achète une belle chemise, par exemple. Ou dit tell me about your shirt. Parle de chemise là. Is it cheap? Est-ce que le bon marché? Ouais. Ça, c'est un petit pour pratiquer anglais, oui, hein? C'est ça, hein? He is short. I am tall, alright. Ok, c'est ça, hein? C'est très facile, hein? Ok, Glass, number 6. On garde le numéro 6, là. Pas prendre le temps pour faire, là, on allez. Tell me about your sister. Tell me about your sister. Il dit, parlez-moi de ça, là, ok? Là, même si on l'a dit, ou gagne un bel corsage, un bel chemise ou bien un bel jupe etc. et puis me dit parle-moi de jupe ça. Ou acheter le cher? C'est ça là en glace. Ouais. Tell me about your sister. Si me veut là me retirer sister, elle me dit tell me about your phone. Parle-moi de téléphone ou en. C'est ça là hein. Si me veut là me retirer sister encore. Me dit tell me about your dress. Me dit parle-moi de robe ou parle-moi de jupe ou ouais ça là hein. Tell me about your pants. Si parle-moi de pantalon. Hein? Et vous dites, est-ce que lui cher? Est-ce que là, et même travail là qu'a fait là pour questionner le monde? Oh, you learned, how are you? You are late today. It's the first time. La première fois, you learned late, oui, mes amis. Première fois, on allait. Hein? Tell me about your sister. Là, elle dit qui ça, Cléas? Parlez-moi de soeur là. Très bien dit. Hein? Est-ce que lui célibataire? Ouais. Tell me about your sister. Est-ce que là? Ou un gars là, ou un gars qui a une belle sœur, et puis on dit, pendant pas la zombie, on dit zombie, tell me about your sister. Is she single? On dit, est-ce qu'elle est célibataire? Est-ce que là, hein? Is she single? Est-ce qu'elle est célibataire? Kouna, qui ça, frère, répond nous? Il dit, non! Non, il n'est pas célibataire. Kouna, on va chercher qu'on est, s'il n'est pas célibataire, qui ça lié? Est-ce que là, Eglias? Let's go! On allait. Is she single? Très bien. Mm-hmm. Is she single? Est-ce qu'elle est célibataire? Si on dit non là, comment la pied? On dit non, pas célibataire. Hein, qui ça la pied? No. Comment la pied? No, she isn't. Très bien. Parce que she remplacer sister, remplacer sœur. Est-ce que là, hein? Ou dit, parle-moi de sœur là. Tell me about your sister. Is she single? Est-ce qu'elle est célibataire? On dit no, she is not. On dit non, pas célibataire. Et puis on dit she is married. Est-ce que là, hein? Tell me about your father. Est-ce que là, hein? Ouais. Tell me about your book. Tell me about your English class. Ouais, parlez-moi de classe anglais. Tell me about how qu'a utilisé l'on paquet de bagaille. Et ça fait me deviner avec belle petit coup ça pour nous aujourd'hui, mes amis. Mais ça a bien fait mal. Mon n'est pas vraiment intéressé à ça qui a rapport à l'éducation. OK?
tellement envie faire quoi, mettre une heure de temps chaque jour, ouais. Tell me about your job. Tell me Patrick Noël. Est-ce que là, ouais? Avec tell me, on va faire un paquet de pratiques en anglais. Mais les regarder mes amis, les quoi fait, c'est moi pour dire partager, mon pas intéressé, moi on va le résir, on va le changer quoi. On va obligé faire quoi deux ou trois fois dans semaine là. Vous comprenez? Parce que me décider vraiment pour me faire petit cours anglais pour m'amuser avec nous pas intéressé. Vous comprenez? Mon plus intéressé à bagaille qui fait bruit, non? Et ça là, on paquet de belles si bagaille. Tell me about your sister. Is she single? Est-ce que elle est célibataire? No, she isn't. Non, li pas célibataire. Dans l'autre bar, me dit, she is married. Ouais. Très bien, Jeff Robert. Tell me about your wife. Et cela. So ou dit, me dit, parle-moi de madame. Est-ce qu'elle est intelligente? Ouais. Is she smart? Ouais. Tout ça, c'est son paquet de belles, si bah, au café. Tell me about your English class. Et cela. So is your teacher interesting? Ouais. Est-ce que professeur est intéressant? Un paquet de belles bagages au café avec tell me about. Vous comprenez? Ouais. Teacher, please, keep it all day. Yeah, my friend. Mon cher, baka deux mois, là, font bel coup anglais comme ça, mes amis, un bel coup anglais comme ça. Les coups à monter, vous baka même 50 moun kap suivre li. Et so là. Hein? Nan tout million de haïtiens qui sou Facebook là, mes amis. Fok au moins te kage même 50 qui intéressent avec petit coup anglais. Bien détaillé, m'vile avec bagay ki, ouais. Tell me about your activity, ouais. Est-ce que la question que vous avez fait avec Tell Me About là? Et pour ça, je viens avec Tell Me About your practice Spanish. Est-ce que là, ouais? Your Spanish practice, ouais? Et vous avez fait une belle question que vous avez fait avec Tell Me About? Hein? Est-ce que vous avez fait une belle petite anglais comme ça pour vous là? Chaque temps, je viens de me dire partagez, c'est ce que vous avez fait. Hein? Je suis obligé de changer au réel, je fais deux fois ou bien trois fois dans la semaine. Vous comprenez? Vous avez intéressé pour nous toujours continuer avec vous, vous comprenez? Parce que ça qui bon, moun pas besoin de partager. Ou bien, les moui venons, moi sur Facebook, là, moi j'ai 2000 partages. Hein? Moun n'a pas gagné, la p'kembe la dan, ouais. Tell me about your, ok? Et c'est nous là. On a regardé dans le numéro 7 là. On a regardé dans le numéro 7 là. Suive bien. Ok? Parce que dans le numéro 7 là, utilisons cas possessif. Ok? Suive bien dans le numéro. Tell me about your practice, c'est bien, it's green. Alright? Et c'est nous là, hein? Un bel exercice, c'est nous là. Tell me about Nancy's cat. Let's do tell me about Nancy's cat. Et comme s'il dit, tell me about the cat of Nancy. Ok? Tell me about the cat of Nancy. Ouais? Il dit pas de chat Nancy. Ya. Est-ce qu'elle est jolie? Hein? Non, elle n'est pas jolie. Lui, m'utilise le contraire de Freddy. Est-ce que là, Eglias? Let's go. Oui, on est assez 8h-9h du lundi au vendredi. Vous comprenez? Quoi, il y a deux mois, mes amis. Hein? Si chaque monde qui est en cours, tu es quoi intéressant, tu es monté sur page là, invite ton 2-3 amis, like li. Hein? Les quoi fait, nous avons besoin au moins. Hein? Exact. Tell me about your project for 2023. Exact. Ouais. Parle-moi de projet pour 2023. Très bien. Ouais, un paquet de bagages qu'on fait avec Tell me about, ok? C'est 8h-9h. Ouais. Vous comprenez? Là, dis moun, allez inviter moun sous page là pour venir suivre quoi? Pour nous gagner une belle famille, nous avons fait exercice pour nous aller en misère. Est-ce là? Très bien, Jeff Robert. Ouais, Jeff Robert, vraiment intéressant, hein? Tell me about your, tell me about Nancy's cat. Is it, okay? Is it pretty? Est-ce qu'elle est jolie, hein? Est-ce qu'elle est une belle chatte? Ouais? Tell me about Nancy's cat. Tell me about Nancy's cat is okay. Et pas Nancy non clair, c'est pas she parce que là il a parlé de chat Nancy gagne mais c'est pas de Nancy. Et ça là hein. Tell me about Nancy's cat. Il dit me parler de chat ou Nancy. Is it pretty? Est-ce qu'elle est jolie? Est-ce que son belle chat? Ouais. Is it pretty? Très bien. Point d'interrogation, très bien dit. Is it pretty? Okay? Kounya m'a dit no. Comment on répond la bonne noa? No. Comment on a répondu bon Noah? No. Let's go. On a les classes. On a les. No. On a les maintenant ou assez c'est au café. On a les. Is it Freddy? Go mon chiquet t'as posé question.
No, it isn't. Exact. No, it isn't. Okay? Très bien, beau voir. Ouais. Avec Tammy, ou pas qu'une question. Tell me about your new job. Est-ce que là, hein? Ou t'es long job déjà? Qu'on a long nouveau. Tell me about your new job. Ouais. Est-ce que là, hein? Hein? On a dit, parle-moi de nouveau travail, ouais. Est-ce que c'est un bon travail? Est-ce qu'on paye bien? Est-ce que là, hein? Très bien, on dit, no, it isn't. Hein? Tell me about Nancy's cat. Is it pretty? Est-ce que son joli bel chat, hein? No, it isn't. Non, li pa bel. Kouna s'il pa bel. Si chat la pa bel, qui sa la pied la? Nous allons dire le contraire. Qui sa la pied la classe? Qui sa la pied dans l'autre partie là? Après, no, it isn't. Dans l'autre partie là, sa la pied la kounya. Sa la pied dans l'autre partie là. No, it isn't. Let's go, class. DNC glass. It is ugly. Very good. It is ugly. Ouais. Exact. Très bien, beau voir. Ouais, beau voir. Gagne un paquet de fois avec Tell me about. Ouais. Son petit bail qui est tellement important en anglais. Ouais. Tell me about your country. Hein? Tell me about your country. Depuis que tu tell me about your country, m'a dou rien encore. Kounya wap bon détail de pays ou détail bon moi. Tell me about your job. Est-ce là? Ou détail bon moi. Parle-moi de travail là. Détail bon moi. Est-ce là, hein? Tell me about your new job. Tell me about your English class. Est-ce là, class? Très bien. Tell me about your church. Parle-moi de l'église ou Tell me about your religion. Parle-moi de religion. Tell me about your community that you live. Est-ce là, hein? Ou pas quête belle question qu'a fait avec Tell me about. Mais les amis, ça fait mal, ouais. Et Jeff Robert dit ou gen raison. Oui, Jeff Robert. Bah, qu'a fait deux mois, m'a fait un cours anglais qui belle comme ça. Vous comprenez? Bagay moun besoin à terre ou pas jouen ni. Moun besoin en ciel pour moun jouen ni à terre pour pas intéresser, hein? Ugly. Ugly, pas gué, non, Tyson, hein? Ok, est-ce que là, hein? Tell me about Nancy's cat. Is it pretty? No, it isn't. Non, li pa bel. It's ugly. Parce que contraire là, c'est ugly. Est-ce que nous, elle, hein? Est-ce que nous, elle, dans qui numéro? Dans numéro, pour de gué ugly à la, hein? Ok, on allait là. Pretty, ouais? On dit beautiful, pretty, ouais. Contrario, c'est ugly. Est-ce que là, hein? Pour tout qu'on contraire. Tall, wow, short, court, ouais. Young, jeune. Old, vieillard. Heavy, ou bien fat, qui c'est gros. Thin, qui c'est mince, ouais. New, qui c'est neuf ou nouveau. Old, ouais, qui c'est ancien ou ancienne. Married, qui s'est marié. Single, contraire, ouais, célibat. Handsome pour garçon, parce que m'a pas dit handsome girl. Si c'est donc garçon, m'a dit handsome boy, ok? Ouais, contraire, c'est ugly, beautiful and pretty. Contraire, c'est ugly, lead. Large, contraire, c'est small. Big, contraire, c'est little, gros, petit. Noisy, noisy qui c'est scandaleux, hein? Scandaleux, moun ki a fait bruit, hein? Loud, qui c'est haute voix, hein? Contraire, c'est quiet, qui c'est tranquille, calme. Expensive, qui c'est cher. Ouais, contraire, qui c'est cheap, un soleil. Hein? Easy, qui c'est facile. Contraire, c'est difficult. Rich, rich, ouais, contraire, qui c'est poor, qui c'est pauvre. Est-ce que là, hein, glace? Very easy. Exercice la facile. C'est contraire. Mapton Will Nick pour le partager. Ok. Est-ce que là, hein, glace? Oui, ça fait, mes amis. Ça, vrai, ça fait, mais, ça, ça permet de laisser l'air. Parce qu'on bel coup anglais a fait comme ça deux mois. Hein? On bel coup anglais comme ça a fait deux mois, mes amis. Si y'a 20 moun qui est intéressé à quoi? Faut qu'on monte à nous 50 moun qui a suivi quoi? Là, on a fait exercice. Ouais, moun a fait exercice. Exemple, gardez-moi une seule question. N'est pas 10 moun qui t'en répondent ni. Est-ce là, hein? Ça montre que, bagay yo exagéré. Ça qui gagne rapport à connaissance doit primer. Est-ce que là, hein, classe? Ok? En gardez dans numéro 8 là. Ouais. Tell me about Ron and Betty's dog. Ok? Tell me about Ron and Betty's dog.
Okay, tell me about Ron and Betty's dog. On a l'éclair. Il dit, la parlez-moi de qui ça? Il dit, parlez-moi de des chiens Ron et Betty gain. Et cela, hein? Tell me about Ron and Betty's dog. Okay? Okay, class. Qui j'en fais me partager là? Des groupes partager, pas monter en l'air dans l'autre monde. Oh, I don't know. Depends on the way you share. Ça va aller de façon ou partager. Let's go, class. On allez, Gounia, pour numéro 8 là. Tell me about your. No, numéro. Okay, 8. Tell me about Ron and Betty's dog. Okay? Tell me about Ron. Okay? Nye Jeff Wobel ki di, Are they? Okay? An ale map ton lot moun toujou. Tell me about Ron and Betty's dog. Okay? Lan numéro 7 la, li te di, tell me about Nancy's cat. Let me show you something, class. Let me show you something. Ba moutou la, eh? Let me show you, class. When you see class, Nancy's cat, like this. Nancy's cat. It's like class, you have the cat of Nancy. That's all right. Mais comment tell na phrase la class? C'est the cat of Nancy. Kounan, lem gen the cat of Nancy, lem gen yon phrase la ki pral tro long. Yo permet l'utilize yon ka en anglais ki yon ka possessif, ok? Ka possessif la ki sa l'fè glas, li diminye nan sa map di a wè. Ou lye pou mdi the cat of Nancy, mdi Nancy's cat, ok? Nancy's cat, sa vle di chat Nancy ya. E so la, eh? Mem jen lem vin nan glas, yo dim la run and Betty's, where and Betty's dog. That's all that. Plus que yo dim la class, run and Betty's dog. Apostrophe S a la, li fait me comprendre là, c'est des chiens moun sa yo gen yon a parlé. Plus que c'est des chiens moun sa yo gen yon a parlé class, et bien m'pap ka gen are. That's all that, eh? M'pap di are they little? Parce que c'est pas de moun yo y a parlé exact mais y a parlé de chien yo gen. Est-ce que là en clair? C'est cas possessif. Pour na si m'a retire sous cas possessif là m'a dit the dog of ba montre yo. M'a dit the dog of Ron and Betty. Ouais, mais tirer sous cas possessif là ouais. The dog of Ron and Betty. Ou pas déjà ouais c'est the dog qui sujet là. C'est que m'a gagné it. C'est it n'a pas utilisé. Li pap day. Et c'est là, hein? Li pap day. Tell me about Moïse Jean-Charles. Tell me, ouais, is it, exactly. Is it little, ok? Li pap a day. Parce que son cas possessif yon utilisé. C'est cas possessif là qui permet ou vinouet dog là après run and Betty. Ok? Mais si yon tire sous cas possessif là, c'est dog là pour jouer avant. Ouais, the dog of run and Betty. Ok? C'est cas possessif qui a été utilisé. OK, Cléas? Est-ce que nous là, hein? Est-ce que nous là? On a l'air, hein? Kounia, comment la pie? Is it little? Tell me about si la pli. OK? Merci, papa. OK, Cléas, are you ready? Tell me, is it little? OK, comment m'a répondu là? Est-ce que li... Is it little? Côté, ok, good. Dans numéro 8 là. Is it little? Comment va répondre Gounia? No. Bon, no, ça m'a mette glace. No, ça m'a mette bon, no. Très bien, Asseline, souverain. No, it isn't. Très bien, Jean-Christ. Lilin, moi là, ok? No, it isn't. Ok? No, it isn't. Est-ce que là, glace? Parce que là, nous montrons ce cas possessif, c'est que c'est de chien à la parler, ok? Tell me about Ron and Betty's dog. Is it little? Est-ce qu'elles sont petits chiens liés? Il dit, no, it isn't. Non, il n'y a pas un petit chien.
Si le petit chien qu'on a glace, plus qu'on a dit no it isn't, sous côté on va l'utiliser contraire. Ça l'a bien là, hein? It is big. Très bien, Jean-Henrique. Est-ce que là, hein? Hein? Est-ce que là, hein? No it isn't. It is big. Est-ce que hein? Avec tell me about, on peut faire un paquet de phrases, hein? Where is Solian? I don't see her today. Okay, alright. Let me show you like this. Alright, good. Okay? Tell me about Ron and Betty's dog. Is it little? No, it isn't. It's big. Tell me about the questions in your English book. Tell me about the question in your English book. OK? Hein? Ça dit la classe. Dis parlez-moi de questions qui dans livre anglais là. Voilà. Parlez-moi de questions yo qui dans livre anglais là. Hein? Tell me about the questions in your English book. Parlez-moi de questions yo qui dans livre anglais là. OK? On a la classe. On a les comment question a fait là? Comment question a fait? Tell me about the question. Tell me about your question. OK, comment la bien glace? Let's go. On a le dernier numéro parce que l'aime river on allait. Tell me about the questions in your English book. On a le parlez-moi de questions yo qui dans livre de questions yo qui dans livre anglais là. On a les glaces. Comment on va répondre? Comment on va faire question là? Bon, difficult. Comment on a bien? Comment on a bien? Tell me about the question in your English book. Are they difficult? Very good. Are they difficult? Okay, good. Parce que c'est des questions yo parler. Okay? Plus que c'est question yo, c'est are they? Okay? C'est pas English book là, on va dire is it difficult? No. C'est question, on va demander est-ce que c'est difficile. Est-ce que là, hein? Are they difficult? Très bien dit. OK. Are they difficult? OK. On a les no. Bon, no. Ça m'a gagné. No. Ça m'a gagné. No. Bon, no. Ça m'a bien glace. Are they difficult? Nous répondons ça déjà. On allez. Qu'on a no besoin nous répond no. On allez. Parlez-moi des questions yo qui dans livre anglais là. Est-ce que yo difficile? Non, yo pas difficile. On allez classe. Comment m'a dit non, yo pas difficile. On allez. No. Let's go. No, they are not. Okay? Ou pas besoin mettre difficult là derrière. No, they are not. Là, on utilise une réponse coûte. C'est ça, hein? Tell me about the questions in your English book. Are they difficult? Est-ce qu'ils sont difficiles? No, they are not. Pas besoin de mettre difficile encore. OK? No, they are not. OK? No, they are not. No, they aren't. Très bien dit. No, they aren't. OK? Kouna, si yon pas difficile, qui ça yon appuyé? Dans le dernier bas, on allez. No, they aren't. Très bien. On a les derniers réponses. Si on pas difficile, Gouna, qui ça y a pied? No, they aren't difficult. On pas besoin de difficult encore. No, they aren't. Gouna, comment on va répondre? Si on pas difficile, comment on a pied là, dans dernier? They are easy. Très bien, Jeff Aubert. Ouais. They are easy. Very easy. Hein? They are easy. Yo facile. Si on pas difficile, yo facile. Hein? Dernier exercice pour nous terminer. Tell me about Santa Claus. Tell me about Santa Claus. OK? Tell me about Santa Claus. Santa Claus c'est Tonton Noël. OK? No day out. Très bien Francisco, hein. On allait pour dernier ça, numéro 10 ça. Tell me about Santa Claus, hein. Il dit parlez-moi de Santa Claus. Est-ce que c'est Tonton Noël qui l'a image là? Tell me about Santa Claus, hein. Ouais, yo mette thin. Comment question a bien là? Nous finissons avec numéro 1. They are easy. They are easy. Très bien.
They are easy. Now, the last number. Dernier numéro. Tell me about Santa Claus. Tell me about Santa Claus. On a les glaces. Il dit, m'parle de tonton Noël ça qui est dans l'image là. Comment on va répondre? Comment on fait question? Fin. Est-ce que l'immense? On a les, comment question a fait? Tell me about Santa Claus. Est-ce que l'immense? On a les, comment question a fait? Est-ce que l'immense? Let's go, glass. Mboko nan no, he isn't. Is he thin? Très bien, Andy. Très bien, Jean-Christ. Is he thin? Est-ce que monsieur son nèg mince? Est-ce là, hein? Tell me about Santa Claus. Is he thin? On allait kounya pour no. 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 M'a ton réponse Noah. Et puis avec l'autre réponse qui c'est contraire de thin. Pour terminer, let's go. Is he thin? Est-ce qu'elle miss? No. On allait pour no. On allait pour no. On allait pour no, Cléas. Tell me about Santa Claus. Parlez-moi de ton Noël. Parlez-moi de ton Noël. No. He's not. Très bien, Jeff Aubert. Jeff Aubert, on va voir qu'on a utilisé le pronom normal. Très bien. No. He's not. Est-ce que là? Hein? Non, il n'est pas miss. No, he is not. Très bien, Beauvoir. Non, Beauvoir bah un pile phrase avec Tell me about. Merci un pile Beauvoir. Très bien, très bien. Tell me about Santa Claus. Is he thin? No, he isn't. Non, il pas miss. Qu'on a utilisé contraire là. S'il pas miss, salier. On allez, s'il pas miss, qui salier? Non, he isn't. Nous finis avec he isn't. Daniel, s'il pas mis ça la bie, il dit he is big. Mais la glace, nous pas utiliser big, nous pas utiliser heavy, ok? C'est heavy, alright? Heavy, fat ou bien thin. Ouais, contraire de heavy ou bien fat, c'est thin. Contraire de thin, c'est fat ou bien heavy, ok? Est-ce que la glace? Est-ce que là, hein? C'est He is heavy. He is heavy. Ok, est-ce que nous avons glace? Je viens avec des petits exercices qui permettent ou même ou faire une pile belle phrase avec un en anglais. Ok, ou faire une pile belle phrase en anglais qui capable permettre que ou faire un pile effort. C'est un très bel travail pendant que je suis à la caille. Ou dans une heure de temps, malgré ces une heure de temps seulement, mes amis, nous n'avons pas intéressé. Avec bel coup anglais ça qui a permettre m'a suivre semaine ça seulement après ça m'a changer oreille là vous comprendre si moi mon toujours pas intéressé m'a obligé changer oreille là me faire deux fois dans semaine là parce que qu'on a bon 50 ans anglais free online seulement vini partager pas cap faire un bel coup comme ça vous comprendre l'aime monter pour m'a dit partager mes amis partager now. No, it's not good at all. Pas bon du tout, hein? Okay? If you are really interested, help me to share. Help me to grow the page. Okay? Est-ce que l'anglais, hein? Est-ce que là? Il faut encourager. Hein? Faut nous encourager ça qui est bon. Okay? Ça qui est bon, yo mérite encourager. Parce que yo pas facile. Yo rare. Okay? C'est 2%, 1% ou abjeune. On 3-4% sur internet là, OK? Moi remercie vous même qui t'a suivre, pas oublier ou qu'a toujours passé sur YouTube, mon pile bel coup anglais qui disponible sur chaîne YouTube moi hein, qui c'est Teacher Malé branche on the air, même non ouais pas ça gagner, ou même qui a peine branché ou qu'a regarder bel coup ça yo sur canal YouTube là, qui c'est ou entrer sur YouTube ou écrit Teacher Malé branche on the air, OK? J'en ai lié sur Facebook là. Ou al gade tout bel kou sa yo, ou gen mwen pou pose m kesyon, ou gen mwen tout pou m rentre nan yon group WhatsApp, koto ka pose kesyon, ou pratike anglais sans aucun problème. Eso la, hein? C'est yon bel travail free, mais vraiment, moun yo pa intéressé, ok? M pa kompren nan yon. Owen, we will help you. Thank you, Beauvoir. Alright, good job.
Thank you, pour inviter zanmi m vinn la donne. Exer, montez sous page là, invitez zanmou qui sur Facebook yo, share link là avec yo, invitez yo like page là. Pour le rajoute moun len ap vinn faire quoi? Pour c'est pas deux moun, trois moun k'ap vinn garder quoi? Est-ce qu'on comprend? Hein? Si mettez 5 heures de temps pour vous, faut inviter moun, OK? Kouna si moi vraiment nous pas intéressé, m'a obligé changer, mettez 2 heures dans la semaine non, dans 2 jours par semaine, OK? Donc, si moi nous intéressé, m'a toujours continué 5 heures de temps, 1 heure de temps chaque jour, d'une façon pour qu'a toujours été en contact avec anglais, OK? Vous êtes toujours en contact. Tell me about the Plaza restaurant. Tell me about your city, parlez-moi de ville. Tell me about your country, parlez-moi de pays. Tell me about your new job, ouais. Tell me about your new job, parlez-moi de nouveau travail, ouais. Et cela. Tell me about your boss, parlez-moi de patron, là. Et cela, anglais. Tell me about your university, parlez-moi de université, là. Et cela, hein. Tell me about Haiti, parlez-moi de Haïti. Et cela. Tell me about your friends. Tell me about your classmates. Tell me about your church. Tell me about your school. C'est ça, hein? Son paquet de belles questions de montrer avec tell me about. Nous faisons pratique sur tell me about, OK? Restez branché avant semaine de fini. Je fais pratique sur lui. Je fais solliciter appel et puis je le et puis je pose une petite question. Tell me about your house. Tell me about your city. Tell me about your friends. Tell me about your father. Tell me about you, OK? Nous faisons pratique comme ça live. Seulement mes amis, encouragez quoi pour moi pas changer le 2 dans la semaine là, OK? Merci le fait que tu as suivi. It was a pleasure to be with you tonight. Thank you for following Malibush on the air. Invite your friend to like the page, OK? Go to subscribe to my channel on YouTube, Teacher Malibush on the air, OK? Go to watch my videos. Comment, like, etc. Thanks for following Mother Brunch on the air. Bye-bye. Tell me about your ex.